Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Après avoir fait presque le top 1, bon, après avoir fait une game sans ouvrir de coffre, qui était en vrai assez simple, maintenant on va faire toute une game, peut-être même le top 1, sans armes. Du coup les gars, le premier épisode on va dire de Fortnite défi nous a extrêmement plu, je pense c'est un record de la chaîne, 780 vues en 2 jours. Dites-vous que ma vidéo la plus vue, elle a fait 2700, je crois, en un an, 2 ans, un an et demi. Du coup, ça veut dire là que les gars, elle a quasiment fait 1000 vues en à peine, même pas une semaine. Ça se trouve, fin de la semaine, les gars, au moment où je vous parle, dans quelques jours, elle aura déjà les 1000 vues. Alors que la vidéo la plus vue de ma chaîne, elle aura pris un an, 6 mois, un truc genre. Du coup, pour vous dire que c'est vraiment un record. Bon, on va partir dès maintenant. Et pareil, cette vidéo, normalement, la miniature sera encore Wars Pouletto qui l'aura fait. Bon, allez, on est parti. Bon, ça va être dur. Je vais essayer de prendre zéro arme. Bon, quand je dis pas d'armes, ça veut dire pistolet et tout là. Ça compte pas. Enfin, j'ai pas le droit de prendre toutes les armes. Mais par contre, il faudrait que j'en trouve 20. Ce serait bien quand même. Genre, tout ce qui est soins, répulsifs, grenades et tout, c'est pas des armes. C'est pas des pistolets avec quoi tu tires. Bon, encore les grenades, je vais peut-être essayer d'éviter, même si j'en vois, peut-être que je les prendrai pas parce que c'est limite limite les grenades. Pareil, les munitions, je les prends pas et tout. Et je me suis mis en construction parce que au moins j'ai de quoi me protéger parce que s'il y a un gars qui me rush. Bon, ça normalement je devrais tomber sur des gens à peu près nuls, je fais jamais de la construction. Bon, j'arrive pas à trouver de répulsif et tout, j'espère qu'ils les ont pas enlevés. J'aurais vraiment le seum. Ah, y'a rien. Mais non, mais dans tous les cas, y a pas de répulsif sur. Pourquoi je cherche? Genre, j'en ai jamais vu des répulsifs sur cette carte. Bon, allez, on va essayer de spawn dans l'endroit le plus écarté. Ça veut dire. On va spawn là-bas. Comme ça, là, y'a tous les tryharders. Ils vont spawn à la bomboche. À Lock Jam, je crois il s'appelle, ouais. Lock Jam, cascade de réalité, Tilted. Et nous, on va se mettre sur la petite maison de Bulma. Mais il y aura du monde parce qu'elle vend les caméras. Et qu'on rassoigne juste avant, clac. Juste là. Bon, allez, c'est parti pour le défi. J'espère y arriver assez facilement. Non, que tout le monde espère ça. Hein. Quand tu fais un défi, le but, c'est pas de perdre non plus. Ah, il y a un gars sur moi. J'ai le planeur le plus cramé du jeu. On dirait le soleil quand je le déploie. Et les gars, si je fais un kill sans arme, c'est incroyable. Genre, c'est plus que gagné. On va. Bon, de toute façon, il n'y a pas de contrat. Je croyais avoir vu un contrat, j'allais dire qu'on va pas le prendre. Alors, les coffres, là, qu'on peut les ouvrir. Voilà, on a du soin, on peut prendre. Ouais, voilà, les contrats. Je peux pas casser. Non, les contrats je vais pas les prendre parce que déjà si j'y arrive pas et en plus il y a quelqu'un qui connaît ma position. On va prendre du build, un max de build. Ok, des bandages. Je crois qu'il y a un coffre là-dedans si je ne me trompe pas. C'est quoi ça? Lanci. Ah, lanci c'est considéré comme une arme, je dirais. C'est limite limite le lanci, mais je le prends pas. Ok. Possible. La malchance que j'ai. J'ai pas le droit de prendre d'armes et il y a un requin qui me saute dessus. Bon, il m'a pas touché, il est trop nul. Mais... grenade, on va les prendre en cas où, en attendant, parce qu'on a rien pour se défendre. Oh, un pompe bleu, oh là là. Enfin, un pompe. Un pompe efficace, c'est dommage. Oh, on est hyper long la zone.
Ce que j'adore, c'est mettre un point pile poil là où il y a la zone. Comme ça, je sais exactement combien de temps de marche je dois faire. Non, ça va. J'ai cru qu'elle avait spawn juste à côté de moi, sinon j'étais hyper mal. Il y avait tout le monde qui allait me rush. Mais le nuage magique, par exemple, j'aurais pu le prendre. C'est pas considéré comme une arme, c'est un peu comme une répulsif. Ça fait pas de dégâts. Ouais, c'est à partir de maintenant que ça va être chaud parce que là j'ai croisé personne et tout. Il y a déjà un quart de la game à peu près qui est mort. Mais là maintenant que la zone elle va se refermer, je vais être au même endroit que ces 65 personnes. Ah, 61 maintenant du coup. 60. Ouais, bon, c'est bon là. Que mourir, trop nul. Ensuite, un autre truc genre que j'adore faire, c'est quand ma flèche là sur la. Sur la mini carte, elle est parfaitement sur le trait. Et ça, les gars, ça doit faire 2 ans que je joue à Fortnite. Dans chacune de mes games, je fais ça. Mais genre vraiment, pendant depuis 2 ans. C'est incroyable comment j'ai pas changé. Bon, allez, on va bouger un peu, on va pas camper non plus. Ah, là, il y a un truc à loot. Ah, dommage. Ah, c'est un coffre. Non. Ici, il y avait un bot, je crois. Tiens, Mac, là, on prend. Le gold, on prend. Bon, j'ai des munitions, mais ce sera rien. Autant les garder, comme ça, le gars qui va me tuer et se mettre bien. Parce que puisque je les utilise pas. Pas de coffre. Il y a quelqu'un qui a respawn ou qui a free fail. Ok, la tempête va se refermer. On est très bien. On a de quoi fuir, se défendre et se heal. Enfin, se défendre. J'ai 3 grenades. J'ai jamais joué grenade de ma vie. Je vais les rater. Ah, ok, bah tiens, merci. Ça, pareil, c'est pour se défendre. Clac, normalement, c'est un peu comme les répulsifs. Mais quand tu si tu vas haut et quand tu retombes, bah, genre, tu prends les dégâts tout. C'est les répulsifs en moins bien. Oh, des splashs. Oh, merci. J'ai pas de heal, j'avais pas remarqué ça depuis tout à l'heure. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai eu ma meilleure vie. Oh, j'ai pas de heal. Il y a un autre gars, je crois, il est en train de tuer Dark Vador. Du coup, il galère un peu. On entendait pam 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 depuis tout à l'heure. Ah, j'ai pas le temps de me couper. Pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai, quand on double jump, ça fait un matelas, j'avais oublié. Bon, moi, j'ai utilisé un matelas pour rien. Trop dégoûté. Bon, allez, on va aller dans la ville pour rigoler un peu. Oh, j'espère. Va falloir que j'arrête de double jump. Fait un saut et c'est tout. Bon bah on prend. Oh, c'est magnifique. Puis on s'en est full shield. En fait, l'inconvénient en construction, c'est que j'aurais peut-être dû mettre sans construction. Du coup, j'aurais pas pu me défendre si j'avais rien pour fuir, juste j'étais mort. Mais j'avais 52 shield en plus, c'est pas rien. En vrai, je pense que je vais déposer les bandages et prendre ça. Ça peut toujours être utile. Ah ouais, les bots. Ouais, voilà, ils peuvent me donner des trucs intéressants. En vrai, on sous-estime la caisse, mais ça donne quand même 25 d'argent. C'est pas rien. Bon, let's go. J'ai full popo, là. Qu'est-ce qu'il y aurait pas un truc intéressant? Ok, les matelas, on prend. Attends, est-ce que je peux pas directement passer par là? Je pensais que ce serait ouvert. Oh, let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je sais pas si je passe quelque chose pour ça. Ça peut toujours être utile. Je passe les matelas parce qu'ils sont beaucoup trop chiants. Peut-être j'ai rien pour fuir, mais au moins.
Ouais, j'ai rien pour faire. Prenez les balles comme ça. Ouais, quoi que j'allais dire, le gars il va se régaler, mais j'ai ça de balles. J'ai que dalle. Après, pour faire, j'ai toujours la construction que je peux mettre derrière moi. Ça, ah, une voiture. Ça peut être utile, ça aussi. Allez. Allez. Prends son courage à deux mains. Ok, des mini, on s'en fout. Ok, c'est-à-dire là, je dois survivre encore pendant 6 minutes. Il y a un gars et c'est ma position. Ah oui, ça marche, le double jump. Allez, du coup, encore un. Encore deux, même. Ça va, c'est pas très compliqué. Bon, je dis ça parce que j'ai croisé personne, mais c'est pas très compliqué. Allez, on va aller à la maison quand même. Ça se trouve, il y a encore une grosse popo. Ah, mais ça, c'est utile. J'en ai besoin. Ah, je sais pas jouer grenade, je vais les poser. Ça c'est utile. Je sais pas jouer grenade, on va prendre ça. Mais par contre, ce qui aurait été bien, si on aurait fait ça en chapitre 1, si je me trompe pas, en chapitre 1, on pouvait avoir des planeurs. Genre, je crois on en avait 10 ou 20 planeurs gratos. Oh, il y a un joueur juste devant moi. Il y a des matelas. Oh, il y a foutre. Ça, c'est pas considéré comme une arme. Je crois que je vais poser les kits. Là, les gars, j'ai trouvé le truc qu'il me fallait. J'y avais pas pensé. Ouais, s'il y a un gars en dessous, je peux pas du tout regarder. Oh, m'en fout, ça m'a fait un défi. Ok, c'est bon, le gars il s'écarte. Et sur ma mini-carte, il y a un cercle rouge. C'est le gars du contrat. J'ai pas trop envie de m'avancer parce qu'il est juste devant. En vrai, les gars, mais j'ai une chance de malade. J'ai vraiment une chance de malade. Ok. Oh, il est sur moi. Je crois qu'il a un tyrolienne comme moi. Quand il atterrit, je vais essayer de lui lancer ça sur la figure. Ah, mais il arrive sur moi là, non? Oh, let's go! Let's go! Let's go, les gars. Il m'a cassé mon bouclier, mais let's go! Il doit avoir honte. Comment on l'a tué? Honte à lui. Bon, j'en ai utilisé deux par le stress, mais t'inquiète. Honte à toi, très cher ami. T'es mort contre un gars qui avait même pas d'armes dans son inventaire. Non, mais c'est surtité. On va au moins. Clac. Il y en a un autre? T'en veux, toi aussi? Ah, j'ai trop pris la confiance. J'ai tué un gars, ça y est, la confiance, elle est arrivée. Allez, va-t'en. Quoi? Non, ça l'a pas fait voler. Bon bah, c'est moi qui m'en vais au final. Ah, la confiance que j'ai pris. Oh non, je suis mal là. Je reconnais. Je reconnais cette situation de crise. Ok, fightez-vous. Attends, si j'arrive à faire ça. Non, non, je vais pas le faire. Là, j'ai quasi plus rien pour me fight. Du coup, on va essayer de fuir. Bon, mon truc pour fuir, il a encore quasiment tout. Prendre le kill, il était incroyable. J'ai bien fait de prendre le contrat.
Allez, pitié qu'il y ait un truc pour me défendre. Parce que là, j'ai plus rien. Oh, ouais, dire plus, c'est bien pour fuir, ça. Hein. On sait jamais si mon grappin, genre, il a plus de batterie, j'allais dire, mais si il est en train de recharger. Y a pas des trucs pour soigner ici? Non, bon, de toute façon, j'ai que 9 HP en moi. Bon, là, je suis en plein milieu de zone. Je sais pas si c'est bien. Allez, vite! Qu'il a mis au bateau. Ok, il a cassé son propre bateau. Ok, allez. Ah, mais. Non, je crois que c'est les pommes qui régènent le plus. Oh, let's go, il y a un arbre. C'est-à-dire, il y a du shield. Pitié qu'il a pas déjà été pris. Bon, on est plus que 10, je pense qu'il a déjà été pris. Oh non, il a pas été pris. Non, le propriétaire, il l'a pas déraciné, du coup on peut pas avoir le fruit. Ça en met tout le temps dans le fruit, normalement il y a une faille, ça aurait pu m'être très utile. Je crois qu'il y a un mec en haut là. Il y a des gens juste à côté. Je vais quand même aller voir. Est-ce que je vais utiliser un grappin pour rien? Oui. On va rester avec ça dans la main, on sait jamais. Comme ça, dès que je vois un gars, je mets ça et je cours. Oh non, il y a rien, il n'y a pas de loot. Pas de coffre, il n'y a rien. Bon, c'est pas grave. Même si on fait plus de kills et tout, on commence un peu à camper, à rester sur le côté, on pourra se dire qu'on aura fait un kill. Et c'est ça la vraie victoire. Attends, il essaie de tuer le porc. Mais t'as rien fait le porc. Ah non, je crois qu'il essaie de me tuer moi. Aïe, mais arrête, j'essaie de t'apprivoiser. J'essaie de te sauver depuis tout à l'heure. Par contre, t'es pas assez rapide, mon pote. On va utiliser cette strat. Let's go. Ça a marché. Attends, on va juste aller chercher le coffre. Puis tout à l'heure, je le regarde. Oh, ça me met trop bien. Allez, on va rester une petite minute ici, le temps que la zone elle arrive et que je regagne du shield. Hop, ça redonne de la vie à mon port en plus. Hey, dis-moi que c'est toi qui as fait ça. Je sais pas, mais on va déguerpir d'ici. Ah, il y a un gars en planeur, ils sont pas contents les gens. Je vais continuer à avancer à pied, je suis moins cramé. La voiture elle fait beaucoup trop de bruit. Bon déjà les gars, c'est une meilleure réussite que le défi sans coffre. Et j'ai l'impression que c'est grave plus dur. Mais la partie genre elle est beaucoup plus fun que tryhard avec ses armes et tout. Top 3 les gars, c'est à dire reste 2 mecs avec moi là. Et puis tuez-vous top 2. Si je suis en top 2, c'est incroyable. Les gars, le seul top 1 de la chaîne avec 20 vidéos Fortnite, j'avais le droit au build, aux armes, aux shields, à tout ce que tu veux, au coffre. Et là, les gars, si je fais top 1 alors que j'ai le droit que à des trucs dans le genre grappin, trucs qui dansent là, enfin, je connais pas les mots. C'est incroyable. Mais ce que j'aimerais pas, c'est que sans faire exprès, genre par réflexe, je reprenne une arme et je casse le défi. Alors que... Non mais... Wesh. Puis quand les portes, ça prend les escaliers, les gueux. En vrai, on est pas trop bien, là. Moi, il me reste quasiment plus rien. Ma seule arme de fuite, c'est le port. On va prendre les bandages, ça me soignera mieux. Bon bah... On est pas bien, là. J'ai pas utilisé de build du truc, mais là je vais l'utiliser parce que, hop, il a cassé un mur. On joue la sécu. Ah, j'ai pas de fenêtre qui mène là-bas. Oh, y a un joueur. Il y a deux joueurs.
Moi je suis censé le tuer moi. J'ai pas d'armes. Comment je tue un joueur sans armes? Genre là c'est un contre un. Je peux plus me dire ouais. Genre la voiture et tout, mais là il n'y a pas de voiture, c'est la campagne. Fail. Ah j'avais oublié que moi aussi je pouvais construire. L'habitude de pas construire, bon. Mais y'a rien, y'a que dalle. Une barrage. Je sais même pas ce que ça fait, lol. Ça fait même pas de dégâts, ça pue. Je crois qu'il s'est rendu compte que j'avais pas d'armes au moment. Ah, c'est serré. J'avais pas vu, il y avait du heal. Ouais, du coup, tout à l'heure, j'ai essayé d'aller là. Oh, let's go, une canne push. Les gars, je crois que c'est le top 2 le plus épique du monde. Même la coupe du monde, tout ce que tu veux, c'est pas plus épique que ça. Bon, les gars, là, on est en... Comment on appelle ça, là? Augmentation numérique ou je sais plus quoi, là. Supérieurement numérique. J'ai oublié comment on dit, je sais qu'il y a numérique. Parce qu'on est deux, lui il est tout seul. On va build dans le métal. En tout cas, je pensais au d'un moment, genre il allait se dire ouais, il fait un défi, go le laisser. Mais que dalle, mince. Oh, il sent très herbeur. Je crois qu'il va reprendre mes murs là, non? Ça veut me tuer. Moi je veux pas mourir. Peut-être ce coffre. Dernière chance. Oh non, quitte. Il est où mon porc? Oh non, il est mort. Ok, là c'est un contre un vrai de vrai. Je suis en train de tout faire pour survivre. En fait, quand j'ai lancé le défi, et surtout quand ils étaient 3, j'avais pas pensé à ça, que quand on sera un contre 1, je pourrais pas le tuer. Là, faut il fait un mauvais move, genre il est tout en haut, là il tombe tout en bas, après où il meurt dans la tempête, ouais mais non, là il risque pas de mourir. J'en étais sûr. On va reprendre du build. Ah, 5 de build les gars, c'est ça qui va faire la diff. On sait jamais. Un tryharder lui, mais ah j'ai mes oh, dis moi que c'est pas sur moi. Ah, je peux plus construire, mais non, mais pourquoi fallait que je tombe contre un tryharder? Eh, moi j'ai mérité ma place, lol, j'ai pas vu le fight. Mais il va gagner, moi. Lui, c'est build. Moi, non. Non. 16 kills. 17. Mais c'est un monstre. Les gars, les stats de la partie, on a fait 5 km. Mais c'est énorme. Enfin, je sais pas, je regarde jamais. 9000 dégâts aux structures. Pourtant, on a rien fait. Ça, c'est le port. Deux éliminations. 100% précision. 100% précision, les gars. Oh, si vous voulez 100% précision. Jouer sans armes. Dégâts aux joueurs 200. Tir dans la tête, bas 0. Matériaux collectés 2861. Bon, bah les gars, j'espère que le défi vous aura plu. La game. Bon, dommage pour le top 1. Top 2, mais je pense que c'est impossible de top 1. Faut vraiment avoir de la chance. Faut que l'autre, soit il fasse un défi comme toi, soit c'est un bot, soit il a pas de chance, soit il est juste nul. Parce que à force de build haut, peut-être à un moment il serait tombé, après peut-être la tempête, il avait pas de soin et tout. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, ciao et à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.